Bah les amis, encore une fois, un très gros doute sur la route que je suis en train d'emprunter. J'ai demandé à la dame du GPS de me ramener sur la côte. Voilà, ça va, ça s'améliore parce que un peu précédemment dans le sous-bois il y a eu une portion de route très 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 sale et plutôt défoncée. Là j'ai des gros doutes surtout. Alors qu'est-ce que je fais? J'achète un trail? Parce que là, vraiment, c'est carrossable entre parenthèses. C'est carrossable entre parenthèses, n'est-ce pas? Bon, on peut dire que là, je suis sur un chemin agricole. Il y a encore 1000 mètres à parcourir pour atteindre une autre route. Tiens, bonjour madame la poule faisane. Désolé de vous déranger, mais là, je suis plus en état de faire demi-tour. Je n'ai plus qu'un choix, c'est de continuer. Bon ben voilà, une ultra classique de chez Harley Davidson n'est pas du tout fait pour ce genre de route, je vous l'avoue. J'espère que je vais pas abîmer mes pneumatiques. Enfin, j'ai déjà roulé sur ce genre de route, mais pas si loin. Pas aussi long et j'étais accompagné, donc j'étais un peu plus sûr de moi, tandis que là faudrait pas que je tombe parce que je pense que je trouverai personne pour m'aider à venir relever la moto. Ben, bien que j'aperçois des habitations là au loin, ils annonçaient tourner à gauche dans 1000 mètres, donc là j'ai parcouru plusieurs centaines de mètres. Je pense que je vais arriver sur une route un peu plus carrossable et je ne sais pas si je vais encore écouter la gentille dame du GPS.